Laissez-moi ouvrir le cœur pour vous sur le Proverbe 17, verset 1er. Est très important cela qui est écrit ici dans le livre de Dieu, parce que c'est un conseil du ciel pour vous. Ici, le Seigneur Dieu dit comme ceci, « Mieux vaut un morceau de pain sec, mais pas de quoi donner pour accompagner, mais pas de thé, mais pas de café. Parvenez seulement à manger quelque chose, c'est mieux, avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande. Il y a du porc, du bœuf, du poulet, de la dinde, il y a ceci, il y a cela, des desserts, etc. Mais avec des querelles. La personne qui vit au milieu de querelles ne vit pas bien. Voyez cette personne qui vit bien maintenant. Madame, qu'est-ce que c'était? Je marche en boitant, je marchais en boitant. Depuis combien de temps vous boitiez? Ça fait 3 ans. Comment est-ce que vous boitiez? Imitez pour moi. Comme ça. Eh bien, marche normalement à présent, qui ont été guéris par Jésus. Comment vous appelez? Alice. Et Alice a été guérie par Jésus. Revenez, Alice. Revenez, Alice. Que c'est beau. Et Alice a été guérie par Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tout a disparu. Revenez maintenant. Allez par là. Et Alice a été guérie par Jésus. À présent, je prie avec vous, Père. Je viens au nom de Jésus pour bénir cette personne qui est en train de prier avec moi, avec le pouvoir que le Seigneur m'a donné. Et au mal, je dis, sors de cette personne, va-t'en d'elle, tu ne peux plus revenir, pour jamais plus revenir, sors au nom de Jésus et Amen.